C'est ça, je suis à Montréal, on a réussi à partir. Je suis en confinement, mais je suis en quarantaine aussi parce que j'arrive de l'étranger, donc je peux pas sortir de chez moi. C'est une expérience aussi, alors ça fait du bien d'être chez soi en même temps. Alors on était en tournée début mars, donc au début des mesures en France. Les spectacles s'annulaient quasiment jour le jour. On a joué juste deux concerts finalement en une semaine. La dernière journée, on était à Marseille. On a monté le spectacle et en fait c'était annulé juste avant les balances. Donc là, on a démonté, puis on a décidé de partir le lendemain. On s'est trouvé un vol et on est parti direct. On s'est échappé. Je me suis jamais autant échappé d'un endroit. Oui, ça fait longtemps que je suis au Canada, mais c'est ça, j'ai jamais eu autant de temps pour appeler ma famille. En plus, je les ai vus un petit peu pendant début mars. Donc voilà, en fait, on se manque pas, on s'appelle pas mal. Donc comme là, c'est de l'éloignement, tu sais, je me tiens au courant de ce qui se passe, s'ils ont des symptômes ou quoi, mais en général, ils sont bien chez eux, ils ont bien respecté les consignes, donc il n'y a pas de raison, tout va bien. L'éloignement, pour l'instant, moi, j'avais envie de rentrer au plus vite aussi ici pour pouvoir commencer ma quarantaine de 14 jours au plus vite et retrouver mes proches ici aussi. Alors, l'ambiance au Canada. Ces temps-ci, c'est assez drôle parce qu'on revit un peu ce qu'on a vécu quand on était en France. C'est le début des mesures et tout ça. Donc, ils ont pris des mesures assez drastiques, assez rapides. Ce qui est plutôt bien, je pense, d'un point de vue propagation. Donc, voilà, les gens écoutent assez bien les consignes ici. Donc, ça devrait peut-être marcher. Il y a eu quand même une multiplication des cas aussi ici. Là, ça arrive tranquillement, avec un peu de retard. Mais non, l'ambiance, c'est ça. Tout le monde se questionne, mais en même temps, c'est quand même pas la guerre non plus, là. Ah oui, je me suis monté un petit studio ici, chez moi. D'habitude, je travaille un peu à l'extérieur de chez moi, mais là, je me suis monté un petit truc. Vu que j'avais mon matériel pour jouer avec les louanges, ben, j'avais quand même des instruments. Donc voilà, je me suis fait un petit setup. Attendez, je vais vous montrer. Tout simple, avec le système de son de maison, mon petit piano, ma flûte ici qui traîne, si on l'a. En tout cas, la voici. Donc voilà, je fais des petites musiques, des petits beats. Je suis bien content. J'ai le temps aussi de faire des trucs juste pour moi. Donc c'est rare, ça fait plaisir. Voilà, je pense que non, je fais des petites idées, je mets des petites idées en place, je fais des petits trucs, je reviens le lendemain, le surlendemain. Le voisin d'en haut, c'est William qui joue de la batterie avec moi dans tous les projets, dont les louanges aussi. Puis lui, il a son petit studio aussi en haut, donc je lui envoie des idées, il m'enregistre de la batterie. Donc voilà, on fait comme à distance, mais en fait, on est au même endroit. Donc c'est assez drôle. Alors, en divertissement. Divertissement, on a. Ben, tu sais, moi, j'ai pas de télé. Alors, mon voisin m'a donné une PlayStation 2, mais j'ai pas de télé pour la brancher. Donc, ces temps-ci, j'ai relu Darlène. C'est le livre dont Darlène de Hubert Lenoir est la BO, en fait. C'est assez intéressant. C'est Noémie, qui est sa partenaire de vie, qui l'a écrit, Noémie Leclerc. Ça se lit d'une traite, c'est naturel, c'est vraiment bien fait, bien écrit. Nicolas Dickner, c'est un gars d'ici, du Québec. 6 degrés de liberté, c'est drôle, ça parle aussi. Il y a un épisode là-dedans
qui est assez confinée. Donc c'est assez drôle, c'est bien fait. C'est deux histoires parallèles qui finissent par se rencontrer. Sinon, en BD, ben, évidemment, il y a Guy de Lille, qui est aussi entre le Québec et la France, qui est... Ça, si vous n'avez pas lu ça, c'est très, très agréable. Voilà. Sinon, les disques, j'arrête pas d'écouter en ce moment un truc. Ça s'appelle. L'album s'appelle Dear Annie. Donc, Cher Annie. C'est un gars qui s'appelle Reggie Snow. Il sortait en 2018, mais je suis retombé là-dedans. Ça fait vraiment du bien. Sinon, j'écoute aussi de la musique plus ambiance, genre Brian Eno, des trucs comme ça. Ça fait du bien, ça fait un petit fond au pied, tu sais. Sinon, attends, il y a quoi? Ben, j'écoute tout le temps Blood Orange aussi. Blood Orange, Blood Orange, qui est un gars qui fait des disques pour des autres gens aussi. Donc, c'est très, très bon, je trouve. L'album que je préfère s'appelle Black Swan, je pense. Donc, voilà. Sinon, ben, il y a les bons vieux, les gars d'ici aussi, À la claire ensemble. Si vous aimez le rap québécois, ça vaut la peine. Leur dernière mixtape, America Volume 2. Très, très bon. Gentil rap, mais profond rap. Très cool. Sinon, ben, c'est ça. Hein. Sinon, j'écoute des trucs ces temps-ci. J'écoute beaucoup de rap ces temps-ci. Genre. Les Jack Boys, Travis Scott, des gars comme ça fait du bien, ça remet un petit peu du pep, quoi. Ça fait du bien. Ben, Better Call Saul, ça c'est très bon. Ah, j'ai écouté Rick and Morty. Rick and Morty, il y a une quatrième saison qui est sortie, qui est vraiment cool. Ça, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. C'est un espèce de savant fou qui part en aventure avec son fils. C'est un dessin animé complètement dingue des gars qui s'appellent Adult Swim. Ça aussi, regardez ça. Ils ont plein de trucs, plein de conneries, plein de trucs vraiment drôles. Donc, ouais, allez-y, c'est le moment. Rick and Morty, c'est le moment.